Les gars, regardez un peu ces images. Regardez, regardez. C'est notre prédateur, notre champion mondial, Francis Ngannou, qui fait aussi les mêmes choses que nous faisons aussi souvent là, qu'on est trop content. Vous connaissez ce que ça veut dire, ces images-là, la signification. Chaman. Écoutez d'abord ceci, je vais vous expliquer ça après. Écoutez très bien. Je refuse d'être la pierre que la presse utilise pour jeter sur les autres combattants. Et je m'explique. Pourquoi? Parce que je n'ai rien contre la presse. Parce qu'il faut reconnaître que localement, on a un problème de communication. La presse camerounaise a beaucoup du travail à faire pour avancer. Faisons un ménage à l'interne pour dire les choses qui ne marchent pas. Il y a un problème avec la presse camerounaise qui ne marche pas. Aujourd'hui, on parle de moi parce que je suis ici aujourd'hui. Ok, je suis champion. Ben, hier, je n'étais pas champion. Et on connaît le fonctionnement de la presse camerounaise qui a des méthodes très peu recommandées. C'est la vérité, hein? Moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je veux que notre presse soit la meilleure presse. Je veux qu'on prenne le devant de toute chose, de la communication. Mais franchement, il y a un petit truc à réparer. Donc, n'en voulez pas à quelqu'un s'il n'est pas très confortable à s'adresser à la presse. Moi, je suis ici aujourd'hui pas pour la presse, parce que j'ai l'obligation de m'adresser aux Camerounais, alors je dois me donner ce mal, parce que si c'était que pour la presse, je ne serais pas là. Je te jure. Mon frère. Vous avez bien compris. Où sont les gars qui tiraient sur moi le jeu et disaient que le monsieur-ci a un petit souci. Ah, même un souci. Les gars disaient, oh, il a commencé par la presse. Hein. La presse camerounaise a des soucis, a des problèmes. Faisons des ménages en interne. Faisons nos ménages en interne. Il a commencé par la presse. Je vous ai dit, non, doucement, doucement là. Demain, il va encore dire autre chose. Qu'il y a telle chose aussi qui ne marche pas à tel endroit au Cameroun. C'est doucement, doucement. Voilà un champion qui fait derrière les photos, il fait des trucs. Donc le gars est content, le gars est tellement à l'aise dans sa peau. Tu sens que l'accueil qu'on a réservé à ce monsieur en Côte d'Ivoire, c'était waouh. Il est devenu maire. Il est devenu maire. Le gars célèbre même derrière les mariages. Le gars célèbre même derrière les mariages. Hey! Non! Papa, j'espère que quand tu seras ici au pays, parce que j'ai un dernier grand frère là qui va se marier bientôt, qui n'est pas encore marié. J'espère qu'il va aussi t'inviter là, grand. Tu pourras aussi venir comme ça. Hein? C'est la blague. Mais c'est juste une façon de dire, vous-même, vous ne voyez pas, les amis, que notre prédateur se sent tellement à l'aise dans la belle famille. Vous-même, vous ne voyez pas. Où sont les gars qui venaient m'insulter? Ils disaient que il faut voir quand notre prédateur ici, hein, le gars est tellement serré, il est nerveux, qu'il marche, tu sens que le gars, c'est une rage. Mais il faut le voir comme le gars est tellement relax dans notre famille, dans notre belle famille. Le gars marche, il est. Assez, tonton. Tonton, il faut nous dire, dis-nous une fois la vérité que. Les amis, voici des choses que vous m'avez fait. Voici ce que vous avez fait. Ça ne me plaît pas. Moi, je parle toutes mes choses comme si je blague. Mais un matin, là, vous allez confirmer que c'est la vérité. Un gars, nous, qui célèbre les mariages en Côte d'Ivoire. Ah, les gars, partagez-moi la vidéo, là. Je vous ai dit. Il a commencé par la presse, non? Et vous-même, vous avez compris, non? Il a commencé par la presse. Oh, la presse est montée, la presse est descendue. C'est déjà un premier problème qu'il évoque là. Demain, il va encore annoncer un autre second problème. Et ainsi de suite. Et tôt ou tard, on va connaître son véritable problème. Insultez-moi comme vous voulez. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An?
grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.